Bienvenue sur Une Minute Tout Compris, ici Raphaël et aujourd'hui nous allons voir pourquoi la mer est salée. Il y a environ 4 milliards d'années, la Terre connaissait une forte activité volcanique, relâchant de la vapeur d'eau et beaucoup d'autres gaz tels que le soufre et le dioxyde de carbone. Plusieurs centaines de millions d'années plus tard, la Terre s'est refroidie et la vapeur d'eau condensée est retombée en pluie acide. L'acidité des pluies a alors conduit à une forte érosion des roches et de la croûte terrestre. L'eau a enlevé les sels minéraux des roches et les a emportés jusqu'aux océans grâce au ruissellement, aux rivières et aux fleuves. Mais les rivières et les fleuves ne semblent pas salés, car le sel présent dans leur zone n'est pas assez concentré. Si t'as kiffé ou que t'as appris un truc, n'hésite pas à t'abonner, liker et tout, que je réponde à tes questions en vidéo. Laisse-la en commentaire. À la prochaine!